Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pokémon Soleil. Continuons l'histoire. La dernière fois, Elzamina s'était barrée avec Zeroïd et Guzma. Et Cosmog était devenu un Cosmovoom. Du coup, bon, on va essayer de régler tout ça. Mon envie de pulsion. En vrai, si t'as autre chose à côté pour t'occuper l'esprit, comme des jeux vidéo qui viennent de sortir par exemple, ou les streams des gens comme moi ou comme d'autres streamers que tu regardes, et tout ça. Joker. Plus si on n'est pas encore là. Ça c'est parce que comme je dis, t'as de quoi faire. T'as de quoi t'occuper l'esprit. Bon, en même temps, au moment de dormir, c'est là où tu rumines toutes les choses qui s'est passées dans la journée et dans ta vie. Vu que t'as rien d'autre à penser, c'est le problème. Est-ce que je vais ramasser tous les objets ici? Ouais, ah non. Il reste ça. Embarcadère. En vrai, moi, la médecin, elle m'avait donné un conseil là-dessus sur les... Bon, c'était pas la même échelle, c'était sur le... Sur le stress d'avoir quelqu'un dans ma famille qui est sur le point de mourir. Mais elle m'avait parlé de me concentrer au moment de dormir, de me concentrer sur mon cœur. Les battements du cœur peuvent aider à se concentrer et ça prend énormément de points de concentration. Faut diriger ses yeux vers son cœur et écouter ses battements de cœur, tout simplement.
Après, c'est un truc de base. Sinon, il y a des traitements beaucoup plus efficaces, mais voilà. Ouais, voilà, je pense à un truc que t'apprécies énormément, sinon, aussi. Lily, ça va devenir tellement une bonne dresseuse. Mais tellement. J'ai hâte de la revoir dans les prochains jeux en tant que dresseuse légendaire comme Sacha. Comme Sacha. Comme Red, comme Blue, comme. Bah oui, en ce moment, t'as tellement de trucs pour t'occuper, je pense que j'ai. Faut s'occuper, faut. Si tu commences à penser à toutes les choses qui arrivent dans la vie et qui t'arrivent à toi et tout ça, t'en as pas fini. Bon, du coup j'aurais peut-être dû sortir l'autre fois parce que j'ai pas pu entraîner mes Pokémon du tout moi. J'ai arrêté l'épisode à la fin sans débarquer parce que je pensais qu'il allait avoir un truc direct. Mais non, on aurait pu débarquer ici tout simplement, puis voilà, et j'aurais pu aller m'entraîner autre part. Dommage! Ça me fait penser. Normalement, mon dernier Pokémon est dans le coin. Il me semble. Parce que là, le problème de mon équipe, c'est que j'utilise que Oratoria, quoi. Et je suis obligé parce que. Aucun n'est assez puissant pour résister aux autres. J'ai Lucanon qui va évoluer. Enfin, Caterpie qui évolue en Lucanon. Normalement, bientôt. Vu qu'on est sur l'île où il peut évoluer. Le champignon, il est bas niveau, donc j'ai pas pu l'entraîner. Et le bac à sable, il est assez faible et il fallait que je change de Pokémon. Oula! Costi toxique. Bon, ça va, c'est un Prédastéris, ça devrait pas faire trop mal, mais. Ah, si, quand même.
GG. Bon. Après, il n'en reste pas moins niveau 44, ce Pokémon, mais. J'ai un Pokémon. Ouais. T'en es où du coup? T'as avancé par rapport à hier ou pas? T'as diamant, toi, il me semble. T'avais dit. C'est pas le Pokédex que je voulais, c'était la carte. Comment on ouvre la carte dans ce jeu? Je crois qu'on doit cliquer sur Motisma. Non. Non, faut utiliser Dracaufeu, oui, pardon. Plus simple d'utiliser Dracaufeu pour voir la map. Alors, il faut que j'aille. Non. Ah! Se mélanger les pinceaux avec les touches. Oui, pourquoi? Non, pour savoir si t'auras besoin d'autres Pokémon. Pour compléter le Pokédex, quoi, tout simplement. Baie de Kalae. Merde, mêlée. Ça, c'est la troisième île. Faut que j'aille au Mont Ardent. Doit aller à voilà. Ok. Bien ce que je pensais, il y a des dresseurs que j'ai pas combattu du coup. Parce que je suis jamais monté ici, et il me faut un Pokémon qu'on trouve ici. Je suis totalement con, j'ai pas été le choper alors que j'aurais pu très bien le choper avant tous les autres. Par contre, ça me fait rire pour Pokémon Diamant Étincelant parce que t'en as et ils disent ouais, c'est le Pokémon le plus dur jamais rencontré depuis des années. Il est hyper difficile, tout ça, tout ça. Et t'en as d'autres, ils finissent le jeu avec un seul Pokémon sans souci. Sans perdre un seul Pokémon, même s'ils essayent de faire un Nuzlocke et tout. Ils ont enlevé le chef de police après avoir battu la Team Galaxy près du central. Ah ouais, parce que le chef de police, c'est uniquement dans Pokémon Platine, Belladonis. Oh putain. Je suis désolé, par contre, j'ai une énorme rage dedans. Donc je vais me prendre mon médoc pour les douleurs, malheureusement il est un peu tôt. Ah oh, ça me fait chier. C'est ma faute, j'aurais pas dû le prendre
Ce matin, si tôt, le médicament. Ça m'apprendra. Toi aussi, t'avais mal aux dents? Alors, je vais quand même vérifier que c'est ici. Normalement, oui, c'est ici qu'on rencontre ce Pokémon. Pas celui-là. Attendez, je regarde. Tac tac tac, localisation, 7ème génération. Moins ardent, niveau 27-30, rareté, ouf! Ouf! Rareté 10%. Ok. Et ben on va le chercher. Rareté 10% le Pokémon, hein. Et les kids. C'est Malraux. Malraux qui s'est fait one shot dans Pokémon Nuzlocke. MDR ne me rappelle plus l'œuf du chasseur. L'œuf du chasseur. Il me rappelle plus l'œuf du chasseur ou plus l'œuf du chasseur? Union police. L'œuf. Ah, tu veux l'œuf du. De l'Evoli? Non, je crois que c'est pas un œuf d'Evoli qu'on te donne. C'est un. Non, c'est pas un Evoli, c'est un. Je crois que c'est un petit ravi. C'est un petit ravi qu'on te donne. Non, j'ai quitté. Heureux, bah tu risques d'avoir une pub, non? Ten. Donc je disais, je crois que c'est un petit ravi qu'il y a dans le. Je suis plus sûr. Nope, toujours pas. Mais lui, il a 15% de chance d'être trouvé, donc on se rapproche. On se rapproche, on se rapproche. Toujours pas. Je suis désolé, hein, j'avance pas le temps que j'ai pas mon dernier Pokémon de la gym. Et en plus, en espérant qu'il ait une bonne nature. Ah, le voilà! 10%! Un Boumata. Voilà le prochain Pokémon de ma team. Oh, par contre, je vais le défoncer si je me bats avec Oratoria. Eh ben, ma Kabou va servir à quelque chose. Baka. Ça devrait pas me mettre KO.
Voilà. On va pas prendre le risque de le refaire hein, parce que ça le mettra à un PV, certes, mais bon. Alors. Ah, j'avais des rapid balls, j'aurais dû essayer. Salaud. Les faux espoirs. En tout cas, il connaît lance-flamme hein, déjà en plus, donc ça va être très utile. Et ben enfin! Vous connaissez cette impression du fait d'avoir pris des médicaments et d'avoir l'impression qu'ils sont restés dans votre gorge? C'est horrible. Alors j'ai évité de faire une mauvaise blague de mauvais goût sur un certain peuple qui aime faire boum. Je ne vise aucun peuple, bien évidemment. Pokémon. Il est où? Tortunator. Voilà. Boum, quand votre cœur fait boum, tout celui-ci fait boum. C'est limite. Bah, les Français aiment beaucoup faire la boum. Hein. Connais pas la boum? La boum, ça fait tellement longtemps que j'ai pas entendu ce mot, n'empêche. La boum. Maintenant c'est plus la boum, c'est viens on va en boîte. Plus personne dit viens on va faire la boum. N'empêche, si cette blague est limite, je me demande si je voulais faire Pokémon Clover prochainement, je crois que je vais pas le faire le jeu.
En tout cas, vaut mieux pas que je le fasse sur Twitch, je crois. Non. On va trier par catégorie. Numéro. D'ailleurs, Boumata peut peut-être apprendre des trucs sympas. PK, tape Pokémon Clover et Starter. Alors, eh ben on va avancer un peu quand même. Parce qu'on est à combien de temps là? 26 minutes. Oh, c'est bon. Large. Il reste plus qu'un seul Pokémon à rajouter dans ma team, hein, et tout le monde sait qui c'est. Il n'y a qu'un seul Pokémon légendaire dans ce jeu. Il peut Pokémon, j'ai mal pour lui. Bah ça, c'est que le starter plante, j'imagine, t'as mal pour lui. Mais pour les. Le starter feu. C'est une énorme stigmatisation d'un genre. De peuple. Il y a quelqu'un de caché derrière là, non? Ah oui. Sacrée grand-mère. Vaut mieux pas que tu le fasses, t'as vu ça? Pourtant, il y a plein de personnes hein, qui l'ont fait. En jeu. Notamment Fildrong, qui est un très grand youtubeur Pokémon. Mais ils l'ont fait sur YouTube. Et ils l'ont fait à une époque où la bien-pensance n'était pas aussi grande qu'en 2021, quoi. Dans la bien-pensance exagérée, je trouve, en tout cas. Oh oui, porte-moi comme une de tes françaises. Et le pire, c'est qu'il y a un autre Pokémon dans Pokémon Clover, et celui-là, bon, c'est vraiment un risque de ban qui n'a rien à voir avec, avec ces terroristes. Tape Four, Fur,
avec un N après le R et tu verras quel Pokémon ça te met en premier. Si jamais t'es curieux. C'est même à cause de ce Pokémon-là que j'hésitais vraiment à faire ce jeu. Je crois que j'ai loupé un truc de... par ici. Non, c'est tout. Y a combien de Curzigard dans ce jeu? Ah, peut-être 5. Marrant ces streams. On dirait les no-cap streams de One Piece. Là, tu te fais déchirer. Bah ouais. Tu vois. Et pourtant, il y en a qui l'ont fait, hein, le jeu. Mais à notre époque, là, maintenant, le jeu passerait plus du tout, à mon avis. Ça m'étonne même qu'il ait pas été banni d'Internet, ce jeu. Enfin, en même temps, tu peux rien bannir d'Internet parce que tu auras toujours des gens qui le retrouveront. Peu importe ce que tu mets sur Internet, ça sera forcément retrouvé un jour. Et pourtant, le jeu est très drôle, hein, parce que c'est la culture Internet des dernières années qui repose. C'est la culture Rule 34, je sais plus quoi. C'est le 18-25, c'est des trucs comme ça. Donc c'est bien dégueulasse, mais c'est... C'est la culture de même internet et de trucs bien dégueulasses. Et dire que j'ai failli le faire et que grâce ou à cause de mon PC, de mon ancien PC, je l'ai pas fait parce que ça tournait au ralenti. Au final, c'était peut-être un signe pour dire bah non, le fais pas, mec. Fais pas ça. Grâce, ouais.
Ils ont pas joué au premier Pokémon. Ouais. Les premiers Pokémon, t'y rejoues maintenant. Vu que t'as la part stratégique, ça va. En fait, ce qui est... Il y a juste un truc qui m'a mis des bâtons dans les roues, moi. C'est les Abra avec rayon chargé et écosphère. De base, ces Pokémon, ils ont puissance cachée, sauf que puissance cachée n'existe plus dans le jeu. Et du coup, bah, Game Freak a eu la bonne idée, ou la mauvaise, hein, de remplacer ça par un rayon chargé qui augmente, enfin qui a 60 d'attaque de base et qui augmente ton attaque spéciale à 70% de chance. Donc quand tu prends Tiplouf, ça fait hyper mal au début, mais vraiment hyper mal. T'es tout shot, quoi. Et ils ont mis Écosphère à un Abra dans la forêt Vestigion. Écosphère, c'est une attaque à 90 de puissance. Tu mets pas Écosphère à un Pokémon dès le début. C'est... Voilà, quoi. Un truc à 90 de puissance au début, ou encore 60, ça passerait. Mais 90 de puissance. Comme j'ai expliqué à Matt, c'est comme si j'avais terminé Pokémon Perle en premier et que j'avais échangé des Pokémon de Pokémon Perle à Pokémon Diamant. Que j'avais changé un Pokémon niveau 5, un Pokémon Perle à Pokémon Diamant, pour recommencer le jeu avec ce Pokémon-là, mais que je lui avais appris Lance-Lame, Écosphère, Ébullition et Tonnerre, quoi. Ça a aucun sens. Mais c'est juste qu'ils se sont retrouvés comme des cons parce qu'ils avaient supprimé une attaque et que Abra, bah, du coup, n'avait plus une seule attaque. Parce qu'Abra, de base, bah, il pouvait apprendre que puissance cachée, hein, je rappelle. Puissance cachée et téléportation, c'est tout. Il pouvait apprendre aucune autre attaque. Donc là, ils ont fait en sorte qu'il puisse apprendre des attaques comme rayon chargé et tout ça. Mais c'est un peu abusé. Bonjour, madame. On s'est pas affronté, je crois. Ouais, non, mais quand on est gamin, de toute façon, c'est... Tout est compliqué, en tout cas. Moi, quand j'étais gamin, c'était sur quoi? L'autre fois, j'ai comparé, bah, Dragon Ball Z, Budokai. Quand t'es gamin, Dragon Ball Z, Budokai, tu dépasses pas généralement le Makan Kosapo de Piccolo au début. Je sais même pas si Pikachu est dans la version diamant. Je pense que si, quand même. Pikachu est dans toutes les versions. Ils l'ont jamais enlevé. C'est le Pokémon emblématique, donc ça m'étonnerait que... qu'il l'enlève. Bah ce Rakaillou est un excellent exemple de ce que je racontais. Imaginez les Rakaillou du début de Pokémon Diamant Étincelant avec séisme. C'est exactement pareil qu'un Abra qui a Écosphère. Tout simplement. Bon là, c'est pas un Pokémon début de jeu, donc voilà, ça n'a aucun sens. Mais imaginez les Rakaillou qu'on rencontre dans la grotte au-dessus de Félicité en séisme. Ça n'a aucun sens. Donc c'est exactement pareil pour les Abra, quoi. Fermeté. Sturdy. Eh ben, faut pas te gêner. 5 coups. On va retourner à Pony Pony. Après, et puis on arrêtera l'épisode ici.
Putain, elle est vraiment sur le point de monter de level. Il lui reste quoi? Il doit lui rester 1 ou 2 d'XP à augmenter. C'est marrant quand ça fait ça. J'aime bien regarder à combien. Il manque 57. 57 d'XP level à augmenter. Avant de monter. Tellement de mal à parler des fois. C'est désolant. C'est bon, hier, je viens juste de crier comme une petite fille. Bah tiens, en parlant de Pokémon, tiens, un petit Tritosaur. N'empêche, si un jour tu viens sur Versailles et tout, je sais quoi t'offrir hein, pour te faire plaisir. Soit une bonne grosse peluche Pikachu, soit une bonne figurine Pikachu. J'ai une pote comme ça en plus qui est tellement fan de Pikachu qui a un énorme une énorme peluche Pikachu au point qu'elle peut s'asseoir dessus. Bon, du coup, on va en terminer là pour cet épisode. On n'a pas beaucoup avancé, hein. Enfin si quand même, on a eu l'élévation de Poli à en doyenne. Mais voilà. On a quand même eu Boumata, et ça c'est bon ça. Du coup, sur ce, je vais vous dire à tous, ciao à plus, et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Pour la suite de tout ça. Allez, salut à tous.